Optimag est une présentation de eWall. Activez la chaleur. Cette émission a été enregistrée au Mont Sutton, purement Sutton. Merci. Au revoir. Bonjour tout le monde, ici Michel Leliguer et cette semaine, on est chez nous. Oui, on est à Sutton. Moi, ça fait 29 ans que je suis ici, mais ça fait quelques années que Skimag n'est pas venu et ça vaut la peine parce qu'il y a plein de nouveautés. Alors, on vous les présente aujourd'hui. On part ça tout de suite. Bonjour, Miguel. Le Mont Sutton se modernise. Enfin, les cartes RFID rechargeables en ligne. L'ensemble des nouveautés et travaux en cours s'inscrivent dans la deuxième phase d'investissement du plan directeur de développement de la montagne amorcé en 2020, visant à faire une destination plein air quatre saisons incontournable des cantons de l'Est. Au terme de cette phase, plus de 11 millions de dollars auront été investis à la montagne depuis le début de ce plan. Nicolas, un des gros changements au Mont Sutton, c'est la passation des pouvoirs entre Luc Boulanger et toi. Bienvenue comme nouveau directeur des opérations. Merci beaucoup. T'es excité? Très excité. C'est un plaisir et c'est un privilège de pouvoir suivre les traces de Luc Boulanger. Alors là, maintenant, tu vas faire ta propre voix ici au Mont Sutton. Comment tu vas faire ça? Bien, je vais faire ça justement en consultant Luc Boulanger, parce que Luc Boulanger, c'est la personne qui a mis Sutton au monde. Il a suivi les traces de son père. Puis tout ce qui est à la montagne, c'est à son image. Moi, je suis ici pour mettre ma goutte à moi, mais poursuivre la vision qu'avait Luc Boulanger quand même. Oui, puis tu connais bien la montagne parce que tu es un skieur de la place, tu étais même impliqué dans l'école de ski. Tout à fait. Depuis que je suis tout jeune, mes parents louent un chalet au Mont Sutton. Je suis ici à chaque fin de semaine, chaque semaine de relâche. Puis oui, l'école de ski, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. C'était une équipe puis une expérience hallucinante. Et oui, je commence à connaître bien la montagne. Quand tu étais justement un jeune skieur de Sutton, un gars de local qui s'amusait sur place, pensais-tu un jour diriger les opérations de la montagne? J'aurais jamais pensé à être où je suis aujourd'hui, mais je remercie cette belle situation-là et cette opportunité-là qu'on me donne. C'est un rêve. Mais tu as travaillé fort aussi pour ce rêve-là. T'es diplômé ingénieur, tu fais de la mécanique industrielle. Donc, tu touches un peu à tout ce qui est la montagne, pas juste les pistes, c'est aussi l'entretien des remontées. Non, là, on est dans la période opérationnelle, mais on a toujours des projets. Puis la charge de, justement, des projets comme la neige, bien, c'est de trouver des idées puis des nouveaux projets pour améliorer l'expérience de Mont Sutton. Par ici, Miguel. Oh, t'es un petit peu, Michel. Mais toi, là, je vais te prendre une belle photo. Pourquoi tu veux prendre une photo, là? On va skier. Non, je prends une photo. OK. C'est vrai que c'est beau. Bon, ça va ici, là? Parfait. T'es content, non, là? Un petit peu à droite. Un petit peu à droite. T'es sérieux, là? Parfait. Mais pourquoi tu veux prendre des photos? Ben, t'as jamais pris de photos de moi? En réalité, il y a un concours de photos au Mont Sutton. Puis on gagne deux billets pour la meilleure photo. C'est sûr qu'avec toi, on va gagner. Bien, puis le paysage aujourd'hui, c'est vrai que c'est beau. Mais là, on prend... peut y aller. Ah, OK, alors là, maintenant, oui. Tu veux y aller, là. Bien oui. Bon, OK, vas-y. Donc, on maintient la philosophie, mais tu as des nouveaux outils à ta disposition. Absolument. Si on parle vraiment de notre capacité de fabriquer de la neige, c'est un projet qui date de quelques années. Puis aujourd'hui, on en est à notre investissement qui totalise proche de 1,3 million. Pour cette année seulement. Cette année seulement, mais qui totalise autour de 2,5 millions depuis 2019. Ce qui, cette année, nous a permis d'avoir une double capacité de fabrication de neige et faire face aux intempéries que Dame Nature nous a envoyées en début de saison. Fait que là, tu sors dans la calpus, Michel? Oui, je la connais bien, l'émotion. Après une tempête de neige ici, les gens, ils crient leur émotion. Avez-vous des nouveaux outils, justement, pour la travailler, cette neige-là? Oui, on a notamment une nouvelle dameuse Bison X Stage 5. Donc, c'est à la fine pointe de la technologie. Elle a une plus grande capacité de pousser de la neige. Elle a beaucoup plus d'ajustements, ce qui nous permet d'être plus agile dans la construction puis l'aménagement des pistes.
Puis un point intéressant, c'est que c'est une dameuse qui est aussi plus éco pour l'environnement. Ah, c'est intéressant, ça. Mais ce que je remarque cette année, puis les skieurs me le disent aussi, nos pistes à brut sont vraiment mieux travaillées. Puisqu'on a une bonne capacité de neige, puis la qualité de la neige est peut-être un peu différente, est plus sèche. Les hauts dameuses donnent une meilleure qualité, donc tout va ensemble. Et le fait que vous travaillez aussi avec les dameuses, avec le treuil, le système de treuil, ouais. J'imagine que ça doit aider beaucoup, ça. Le treuil nous permet d'avoir accès à des pentes abruptes pour justement faire ce travail-là. Donc, effectivement, notre machinerie, la neige fabriquée, nous permet d'avoir des meilleures conditions dans les pitches. Ah, l'exil avec le beau soleil! C'est beau! OK, mets les bras dans les airs, je vais te prendre ça de même. Ouch, c'est dur pour les yeux. On a-tu assez, là? Parfait, ça. En parlant d'améliorer l'expérience, on a amélioré avec le tapis d'embarquement ici au télésiège numéro 4. Moi, je le vois, ça se traduit par beaucoup moins d'arrêts parce que c'est les skieurs qui provoquaient souvent les arrêts. Alors, Michel, on est devant le tapis. Viens-tu voir? Écoute, j'ai déjà vu la trappe, mais j'ai jamais réalisé qu'il y avait un accès là. Ben, viens-t'en, je vais te montrer. Alors, pour avoir accès, j'imagine, Nicolas, il faut faire arrêter le télésiège. Tu t'étais arrangé avec ton opérateur, c'est ça? Oui, ça, c'est ce qui se passe en arrière des rideaux. Donc là, les portes sont ouvertes, le lift est arrêté pour nous permettre d'aller faire une inspection. Wow, c'est profond. Suis-moi. On dirait jamais que c'est creux comme ça. On pense qu'en dessous du tapis, il n'y a rien. Il y a moyen d'être debout là-dedans. Alors, Michel, tu vois ici, à l'extrémité, il y a une petite accumulation de neige. C'est normal. Au sol, on a des fils chauffants, donc un plancher chauffant. Puis au fur et à mesure de la journée, ça fond tranquillement puis c'est drainé jusqu'à l'extérieur. Je suis dans les catacombes de Sutton! Comme à Paris. Wow, c'est impressionnant. C'est des beaux mécanismes. C'est bien conçu. Ouais. Hey, merci. C'était vraiment une belle visite. Restez là après la pause, on poursuit notre visite des nouveautés du Mont Sutton.
Les gars, je vous invite à dîner. On est au chalet 840, au sommet de la montagne. On a des belles nouveautés dans notre menu réconfortant. Notre menu réconfortant? Oui, monsieur. Oh, c'est ça, c'est invitant, ça, avec la vue en plus. Ah, c'est clair. Ce chalet de bois offre une vue magnifique sur les paysages enneigés de la réserve naturelle et montagnes vertes de Sutton. Le foyer central entouré de tables offre une ambiance chaleureuse et conviviale. Je m'appelle Célia, je travaille au chalet à latitude 840 et j'aime venir travailler à tous les jours parce que je monte le remonte-pente avec une vue exceptionnelle et j'ai réussi à avoir la chance de travailler avec des gens avec un beau sourire à tous les jours. Eh bien, c'était le fun ce qu'il y a avec toi aujourd'hui, Michel. Bien, merci, puis merci pour le dîner, c'était vraiment cool, mais surtout, merci pour nous avoir fait découvrir les dessous d'une opération d'une montagne, des choses qu'on ne voit pas vraiment souvent, ça. Mais entre-temps, Nicolas, la vue, à vous, à vous! On en profite. Et maintenant, on skie avec Caroline. Caroline, tu es responsable des ressources humaines ici à Sutton. Est-ce que c'est encore un défi de trouver du bon monde? C'est toujours un défi, mais maintenant, on est rendu 4 saisons. Fait qu'on a plein de postes différents. On a des postes en été où est-ce qu'on fait du ville-montagne, les tyroliennes. Fait que ça fait en sorte qu'on a une panoplie de postes. On en a 60, plus que 60 postes en ce moment que les gens peuvent choisir selon ce qu'ils veulent aller à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de facilité à recruter des gens à l'année maintenant. On réalise peut-être pas, mais une montagne de ski, c'est pas juste une montagne de ski. Là. Il y a de l'administration, il y a une boutique, il y a une école de ski. Donne-moi concrètement là, un exemple de postes différents là, qui peuvent être disponibles à Sutton. Ça prend toute une équipe, là. C'est incroyable. On réalise vraiment pas combien de personnes ça prend. Lorsque le client arrive à la montagne, il passe par le préposé au stationnement. Après ça, il arrive au service à la clientèle, acheter son billet. Il y a des postes intérieurs aussi, des gens qui vont à la boutique s'acheter des équipements de sport. Après ça, on a les mécaniciens pour les remontées mécaniques. Il y a des postes intérieurs ou extérieurs selon le goût de la personne, selon ce que la personne a vraiment de l'intérêt. Mais toi, Caroline, au niveau personnel, tu es aussi une très bonne skieuse. Là, tu ne voudras pas le dire à la caméra, mais tu es niveau 3, tu fais du ski depuis que tu es toute jeune, puis tu connais Sutton comme le fond de ta poche. Alors, tu nous amènes où? C'est quoi ta piste préférée? Je pense qu'on va aller faire l'escapade. L'escapade, oui. Sous-bois, dans la bosse, un peu plus à pic, un peu de soleil, un peu de tout. Je te suis. En tout cas, Caroline, tu as vraiment un beau bureau. Je l'aime, ton bureau. Miguel, toi qui es un amateur de randonnée alpine, tu sais que c'est ici que les pistes rejoignent le haut du 7? Oui, bien justement, ça c'est la petite nouvelle de 3 pistes de montée, la Far West. Avec les arbres momifiés comme ça, c'est-tu magnifique? C'est beau, hein? Alors, il y a un beau réseau, là. Avec la 3e piste, là, c'est vraiment intéressant. À peu près 1h30, je pense. Oui, celle-là, c'est la plus longue. C'est 1h30 qu'ils disent. Mais tu sais que Lynn Bessette est capable de le faire en une demi-heure? Oui, bien, je battrai pas ça. Si vous hésitez à vous équiper en ski de randonnée, écoutez la chronique qui suit. La chronique équipement présentée par L'Accordé, votre spécialiste plein air depuis plus de 70 ans. Christian, la popularité du ski de randonnée se dément pas. Puis dans ce sport-là, la botte est très importante. Qu'est-ce qui la distingue d'une botte de ski alpin? Puis qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi les caractéristiques? Oui, Michel. En fait, ce qui distingue une botte de ski de randonnée versus une botte de ski alpin, c'est vraiment le fonctionnement qui permet de passer du mode marche au mode ski. Alors, une botte de ski alpin va nous permettre de descendre, mais là, ici, on est capable de monter la montagne aussi. Alors, on ouvre le mécanisme à l'arrière qui va déverrouiller ou débloquer la botte au collier ici avec une certaine articulation qui va nous permettre de fléchir le pied par en avant pour nous permettre de, c'est ça, monter pas mal n'importe quelle montagne et puis avec des pots en dessous des skis. Et puis après ça, arrivé en haut, ben on referme, on reverrouille la botte et ça nous permet de descendre comme on fait en ski alpin.
entre les deux, il y a des compromis à faire. Tout à fait, tout à fait. Alors, si la question à se poser vraiment quand on fait son premier choix pour une botte de ski de randonnée, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire avec la botte? Je suis qui comme skieur? Est-ce que je suis quelqu'un avec un très bon cardio? Dans ce cas-là, je vais peut-être prioriser une botte très légère, c'est-à-dire dans les 950 grammes pour ce modèle ici, qui va nous permettre de monter fort. Arriver en haut, bien, c'est sûr qu'on va la bloquer pour descendre. Puis en descente, vu qu'elle est très légère, il faudra faire quelques compromis en descente parce qu'elle n'aura pas la rigidité que, disons, une botte de free ride. On choisit selon nos préférences, tout en acceptant le fait qu'on ne peut pas tout avoir dans une botte. Est-ce qu'il y a des différences marquées entre ce que les différentes compagnies offrent dans le marché? Quand même, Michel, on peut aller dans les bottes très, très, très légères chez Scarpa parce qu'il y a aussi une culture de ski de rando de course qui existe depuis longtemps en Europe, qui n'existait pas encore au Canada. Ce qui est important, c'est le bon fit, le bon ajustement tout du à fait. Pied. À 100 %. Alors, bien sûr, il faut compter aussi le chaussant, c'est-à-dire le last en anglais. C'est la largeur à la coque ici. Et puis, toutes les marques vont offrir toutes les différentes tailles pour le chaussant, mais ce n'est pas toutes les marques qui vont offrir un chaussant plus large, c'est-à-dire la wide. Alors, quelqu'un avec le pied fort, disons à 103 mm de largeur, là, ça prend une botte wide pour avoir un ajustement à point. Alors, on choisit nos bottes, on choisit nos amis, on choisit le style de la ski de randonnée qu'on fait. Michel, tout à fait. Merci, Christian. Au plaisir.
Alors, bonjour, je m'appelle Éric, je suis préventionniste à Sutton. Ce qu'on fait, notre rôle, nous, c'est en support aux patrouilleurs, service à la clientèle et les clients dans la montagne. Ce que j'aime de Sutton, mais c'est qu'est-ce qu'elle offre dans les différents versants au travers des pistes. On trouve ce qu'on a besoin dans, un peu partout dans la montagne pendant notre journée. Tu sais, Miguel, à partir du télésiège 4, tu arrives ici, tu as des entrées de sous-bois. Tu as la première entrée du sous-bois 4A, deuxième entrée du sous-bois 4A. Après ça, tu as deux entrées pour le sous-bois 4B. Alors, en plus des 60 pistes, bien, il y a plein de jonctions puis plein de places où tu peux faire des pistes différentes. Tu n'as jamais la même piste, même si tu fais la même piste. Ça fait encore plus de variété. Est-ce que tu as des gens qui sont ici avec Sutton depuis longtemps? On a des gens avec nous depuis des années, depuis des 15, 20, même 30 ans. Là, j'ai des gens qui restent ici pendant très, très longtemps. La communauté fait en sorte que les gens apprécient venir travailler avec nous puis restent année après année. Puis la région est magnifique ici en plus, là. Juste d'être à l'extérieur puis d'être proche de la nature fait en sorte que c'est un bonheur de venir travailler à la montagne à tous les matins, de voir le paysage. Puis c'est ça qui fait que les gens aiment venir travailler ici à la montagne. Ils peuvent aussi faire plus qu'un poste. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant aussi, là, en été ou en hiver. Toi, Caroline, as-tu juste un poste? Oui. Moi, j'ai juste un poste en ressources humaines, mais ça englobe beaucoup de facettes. Puis dans les facettes, est-ce que le ski est dedans? Oui, on peut sortir les midis. Ça, c'est un des plaisirs qu'on a juste aussi à la montagne, c'est de pouvoir se faire des sorties en ski ou en vélo durant nos heures de lunch. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment apprécié aussi. Hey, Miguel! Oh, wow! Une autre figurine, bien belle, celle-là. C'est la reine. On va la prendre en photo. Ah, pour le concours ben photo? Oui. Parfait. Ben oui. Je suis correct comme ça? Tasse-toi, tu fais à droite. Oui. C'est bon? Caroline, embarque. Tasse-toi, Michel. Tasse. Ben, montagne. Parfait, ça. Pas parfait. Lui, c'est le petit nouveau. C'est mon préféré. Je trouve qu'il a l'air méchant. J'aime ça. T'as du goût. Hey Miguel, tu sais que c'est ma deuxième journée de ski, moi, ici? Comment ça? Ben, j'ai profité du ski de dos ski. Ah! Ski de dos ski, c'est une journée et demie de ski. Avec la nuitée et le petit déjeuner, c'est un forfait qui est offert en collaboration avec certains hôtels. C'est vraiment avantageux, là. Ça revient quasiment à 50$ de plus là, que des billets de ski. Ça vaut la peine, hein? Puis pour la relâche aussi? Ça marche pour la relâche. Alors toi, avec ta fille, tu pourrais venir. Ah, cool! L'auberge West Brome est stratégiquement nichée près de Bromont, Dunham, Sutton, ainsi que de nombreux vignobles, centres de ski pour tous les goûts. Chaque chambre est dotée d'un confortable fauteuil, d'un téléviseur, un frigo et une cafetière. Un gymnase très complet, piscine et centre de santé sont aussi disponibles pour les visiteurs. Il faut goûter à leur fine cuisine de terroir, réputée parmi les meilleures de la région. Une dernière descente de Lunar. Attends un peu, on va prendre l'autre chose à côté, là, parce que probablement, c'est important. On a pris notre tour de sécurité. Il faut qu'il soit attaché à nous. C'est important pour la sécurité, mais t'as raison, là. Une dernière descente. C'est vraiment une dernière descente. Le télésiège ferme à 4 heures. T'as-tu déjà fait ça, toi, du Lunar? Non. Moi non plus. Pas trop sûr de mon affaire, moi. OK. C'est quoi ça, l'avion? Hey, on a vraiment l'impression que ça va vite parce qu'on est bas, hein? C'est comme un peu un karting dans la neige. Hey, ça commence. Je commence à le comprendre. C'est la partie la plus abrupte d'Alouette. C'est pas si pire. Bah! Bah!
On n'ira pas dans le bois, hein? Un curve! Wow, quelle belle journée! Merci d'avoir skié avec nous. Merci beaucoup. Nous, on a fait encore une nouvelle découverte, une nouvelle activité d'hiver qu'on n'avait jamais fait auparavant. Mais tant qu'à moi, la grande vedette du jour, le soleil, les paysages, c'était magnifique. Alors, merci beaucoup. Venez découvrir le Mont-Sutton. Venez vivre ce qu'on a vécu. Santé! Santé! Toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Auclair, fièrement canadiens depuis 1945. Merci à nos nombreux partenaires. SkiMag vous a été présenté par eWool. Activez la chaleur. Cette émission a été enregistrée au Mont Sutton, purement Sutton. On en profite ici dans le télésiège numéro 7 pour admirer le paysage. Tu sais que c'est le plus beau quand les arbres sont enneigés, que le soleil se pointe. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec que c'est plus agréable. C'est typique, c'est Canton de l'Est, c'est purement Sutton.